téléspectateurs et téléspectatrices, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pagaille au Québec, l'émission flash favorite des Montréalais. Aujourd'hui, un incident des plus insolites a pris place au Collège international Marie de France. Que faisait donc ce redoutable prédateur du nord de l'Amérique dans notre métropole montréalaise? Grrr ! Si loin de son habitat naturel! Nous voyons ça tout de suite avec Anne-Sophie Le Terrain, qui propose un portrait synthétique de la situation actuelle en Arctique. La fonte de l'Arctique, amplifiée par le changement climatique, est à l'origine de la perte de l'habitat naturel de l'ours polaire. L'océan Arctique, cet océan de 14 millions de kilomètres carrés, le plus petit et le plus inaccessible de notre planète, fait l'objet d'inquiétudes grandissantes. Depuis les années 1980, l'épaisseur des glaces le recouvrant à l'année longue a diminué de 40% et leur surface a été réduite de 3 millions de kilomètres carrés. À présent, un reportage signé Adrien et Florian qui nous démontre, par plusieurs expériences en laboratoire, la fonte accélérée de la banquise et le réchauffement de l'océan. Dans cet aquarium que j'ai rempli d'eau, j'ai placé une source de chaleur, la lampe, et une de fraîcheur, le pack de glace, aux deux extrémités. En versant du colorant, on observe que l'eau froide, plus dense, redescend en profondeur, alors que celle plus chaude, moins dense donc, reste à la surface. Ce système est composé de deux récipients contenant de l'eau douce à droite et de l'eau salée à gauche. En dévissant les tuyaux, on observe que l'eau salée plus dense redescend au fond de l'autre récipient, le colorant en violet, alors que l'inverse se produit avec l'eau douce. On peut en déduire que l'eau de mer salée et froide au pôle est entraînée vers le bas et ne se mélange pas à l'eau douce de surface issue de la fonte de la banquise et des Inland 6. L'artiste autochtone Anne-Sophie nous parle maintenant de ses œuvres. En effet, la faune et la flore ne sont pas les seules à être touchées par ces changements. L'homme aussi, et surtout les populations locales. Propos recueillis par Florian. La nature n'est plus celle qu'ont connue mes grands-parents. Chaque année, les chasseurs partent de plus en plus tard et reviennent de plus en plus tôt. La glace n'est plus assez épaisse pour assurer leur sécurité. Lorsqu'ils quittent le village, c'est avec inquiétude qu'on les regarde s'éloigner, parce que le temps est devenu imprévisible et nos aînés demeurent confus, leur tête levée vers les nuages qui ne leur révèlent plus leurs intentions. J'ai voulu montrer dans mes aquarelles l'union de notre monde. Il n'y a pas d'éléments distincts, mais une unité globale faite de réciprocité, d'écoute et d'entraide. Dans le visage d'un enfant, on voit aussi celui d'une baleine, et les yeux de la grand-mère se superposent au bleu de la banquise et au vert du glacier. Si notre environnement bouge et change, nous nous métamorphosons avec lui. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt les amis !